Il y a toujours eu quatre murs. Il y a toujours eu quatre murs. Ceux de ma tête au carré, boxeuse en proie à l'entêtement, frappée de tiraillements, traversée de pensées disperses. Une tête au carré poussée à réfléchir à ses racines, à mener un combat contre soi, puis véritablement à soi. Une tête au carré que le chaos du monde extérieur recentre et assoit pour faire corps. Il y a toujours eu quatre murs. Mon corps d'abord, entre quatre cordes tendues comme un espace de parenthèse. De part et d'autre, des pas, des plis et des déplacements. Un corps mouvant qui, brusquement replié, confiné, s'émeut en dedans. L'arrêter serait souffrance, alors il joue les prolongements d'un déploiement introspectif sans esquive. Un corps habité, concentré d'une privation féconde. Il y a toujours eu quatre murs. La liberté de me trouver là, connecté fixement au monde. Entendre son vide, ses creux et son écho. Être, pour être sa résonance. Libre, pour l'accueillir. Le ressentir, pour cultiver l'espoir et penser autrement demain. Créer. Il y a toujours eu quatre murs. Demain, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le temps nous est commun, universel. En figeant nos corps, il crée du lien. Depuis mon appartement, je suis en Inde, aux États-Unis, proche de mes derniers voyages artistiques. Depuis ma fenêtre, je suis dans ma rue, une rue, les rues de Paris. Le temps n'est plus obligation de répondre à la précarité d'une vie d'artiste. Son expérience n'est que richesse méditative. Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais, écrivait Annie Ernaux. Il y a toujours eu quatre murs. Bordés, protégés, enfermés ou encore exposés, nous sommes toutes et tous entre quatre murs. Dans les lignes de force d'une map monde, espace restreint et vague. Dans l'ouverture d'un encadrement de fenêtres, enveloppe émotionnelle de mon harmonie intérieure. Je sors la tête, je m'y penche pour ressentir mon souffle, les autres. Non pas pour les voir, seulement pour les regarder, appréhender l'ailleurs. Il y a toujours eu quatre murs, les murs perméables de mon engagement. La chance d'une porte qui se ferme pour transposer ma solitude et sublimer mon immobilité. La chance de trouver en soi les codes d'expression d'une réalité collective, intranquille. Il y a toujours eu quatre murs, comme si rien n'avait réellement changé. Pour moi, être entre quatre murs n'est qu'un pléonasme créatif. C'est en faisant qu'on se remplit. Entre mes quatre murs se dessine une multiplicité d'angles, se superposent mes latitudes, mes envolées graves notre cas, enregistrent le nous unitaire et pluriel, captent et composent l'audible modification des comportements humains. Il y a toujours eu quatre murs. Dans ces quatre murs où déambulent des idées, des désirs, il fait nuit aussi. Cet endroit où s'agitent les ombres en soif de lumière intime, où s'active un présent au destin incertain, où le vivant s'humanise. Comme le décrit Christiane Taubira, c'est la nuit que s'inventent tous les renversements du monde. Il y a toujours eu quatre murs. Et demain, entre ces quatre murs, il fera jour. Chacune, chacun, le verra depuis chez soi. Je crois que si on ne fait pas ce pas intérieur, si l'homme ne change pas dans sa solitude, rien n'est possible. Toutes les révolutions seront truquées. Ça, je le crois profondément.